Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Grid Legend. Aujourd'hui, petite course, j'ai envie de me faire une petite course en DTM, en WTCC du moins. Ouais, c'est ça, le WTCC ou le WEC des années 90 avec l'Audi A4 Quattro. Du coup, la belle petite Audi A4 Quattro. Pour repartir un peu dans les mythiques années 90 avec ces fameuses autos, la M3E30, la Laguna. C'était pour moi les meilleures autos. On a tous joué au jeu qui existait à l'époque, Tokar Driver, voilà, cherchez le nom. Où dedans il y avait toutes ces fameuses autos qui étaient vraiment mythiques. Et là franchement j'avais envie de me remémorer un peu cette époque là avec cette petite Audi Quattro. On est sur un circuit sur Paris, donc circuit en ville, en difficulté expert. Donc je doute qu'on finisse premier. Peut-être hein, mais pousse-toi, j'en doute. Parce que là franchement il y a quand même des niveaux devant. Ça roule pas trop mal. Là, je sens qu'au freinage, ça va être un véritable carnage. L'Audi, elle donne tout ce qu'elle peut. Ça passera pas. Wouah. Si, ça va, c'est passé. Elle a légèrement frotté les ailes, mais ça va. On a aussi des Alfa Romeo. Qu'est-ce qu'on en a, les BM, la Volvo Break de l'époque là. Je sais plus comment elle s'appelle celle-là. Qui était vraiment carré, c'est vraiment un corbillard, mais c'est hallucinant comment ça marchait ça. Pour l'époque. C'était vraiment des anneaux de chasse. Et franchement, voir ça en compétition, c'était vraiment. Vraiment, on va dire. Pas hors du commun, mais presque quoi. Eh, franchement, il y a du niveau. Hein. Moi, franchement, je prends toujours autant de plaisir à rouler sur ce jeu. Jeu sans prise de tête. Essayer de prendre l'aspi un peu. Oui. Ah, si c'est bon, c'est passé. Ça a tapé un peu, mais ça va. Désolé, mon ami. Voilà. Ah, les mecs, ils sont chauds. Hein. Wouhou! Comme on dit, ils sont pas là pour trier les lentilles. Rendre plus intérieur aussi, on te dira rien. Là, franchement, en ville en plus, ça rajoute un peu d'effet de vitesse. Bon, après, là, j'ai laissé les lignes parce que voilà, je me suis pas pris la tête à faire non plus. Des super paramétrages, mais bien évidemment la ligne de trajectoire est désactivable bien sûr hein. Ah oui, on a la Ford Sierra RS500 aussi. Oh, wow, je me suis fait éclater dans le mur. Et on a 10 tours sur ce petit circuit, on est 3ème. On va essayer de remonter un peu. Franchement, le bruit de ces autos aussi, c'est pareil. C'est vraiment mythique. Oula, mets pas des coups de frein comme ça en plein virage, frérot, c'est sûr que tu vas te sortir. Ouah, mais freine pas comme ça. Oh, lui, c'est un inquiet. Ouais. Ah, j'aurais pas dû. Remarque. Ah, sur le freinage, ouais, ça va être chaud. C'était trop chaud. Alors franchement là moi je m'éclate hein. Franchement même si c'est pas un jeu ultra simu, franchement je prends vraiment du plaisir dessus. J'ai vraiment des bonnes sensations. Si je tombe pas à la bonne vitesse, ça va pas le faire. Là je suis en niveau expert.
Parce que bon, c'est vrai que par contre, les niveaux jusqu'à difficile, honnêtement, c'est on a facile, moyen, difficile. Waouh, mais j'arrive trop vite aussi. Difficile, expert. On a pro, je crois, et légende. Et là, je suis un expert. Et franchement, il y a un bon niveau. Hein. Il y a de la bonne bagarre. Oui. Ah frérot, c'est celui qui va avoir plus de cojones. Et apparemment, il en a plus que moi. Oui. Bon après, c'est pareil. Pareil, ou oh, le mur. Je veux pas faire le bourrin non plus. J'essaye de jouer quand même proprement. Ouais, non, proprement, ouais, c'est vite dit. J'arrive, j'y rentre dans le cul. Ouais, bien. On repassera pour le côté proprement. Et j'arrive pas à lâcher l'autre derrière en fait. Voilà, c'est sûr, ça passera jamais. Lui, il va freiner. L'autre, il est à côté. Ah, peut-être intérieurement. Ah, non. Dommage. Allez, c'est maintenant ou jamais. C'est passé. Limite, mais c'est passé. Ah, ben là. Là, frérot, il arrive un moment où. Il va falloir faire du forcing un peu, parce que sinon, ça ne sortira jamais. Hein. On est deuxième. Le premier, il s'est un peu envolé. Mais ça va, on a que 3 tours. Donc on peut éventuellement rattraper le premier. Là, j'aurais dû rester en troisième. Ouais, franchement, moi, je m'éclate hein, sur ce jeu. Alors, ça dépend des véhicules. Il y a des véhicules, bon... Si le véhicule américain là, je suis pas, franchement, je suis pas fan. Mais après tout ce qui est véhicule comme ça là, franchement, c'est vraiment fun à conduire, ou du moins à piloter surtout. Là, c'est même plus la conduite, c'est vraiment du pilotage pur et dur. Ah, on le rattrape. Hein. On va peut-être l'avoir. Bon, sur 10, sur 7 tours qui nous restent. Je pense que si on garde cette cadence là. Enfin, je suis pas non plus à fond partout, mais presque quoi. Franchement. Qu'est-ce que ça doit être en mode légende? Oui, là c'était chaud. Allez, on va essayer de l'avoir. Sur le freinage là-bas, je sais pas si on l'aura au bout. Ah, peut-être. On y prend l'aspi. Maintenant. Waouh, désolé frérot. Voilà, maintenant va falloir tenir la pression. Ouh, le mur. Allez. Et il me lâche pas. Hein. Il est vraiment collé à mes bases qu'il me lâche pas. Hein. Alors je reconnais que mon dépassement était un peu légèrement osé. Mais franchement, ça va. Il y a pire. Franchement, j'ai eu fait pire. Hein. Maintenant, le truc, c'est de garder
ma première place. Ce qui est bien aussi dans ce jeu, c'est que plus vous allez rouler avec votre véhicule, plus vous allez engranger des kilomètres. Et du coup, ça va vous permettre de pouvoir ajouter des améliorations moteur, amélioration châssis, amélioration freinage, etc. à votre véhicule. Et donc le rendre forcément plus performant. Et du coup, pouvoir refaire des épreuves ou faire d'autres épreuves justement dans des modes de difficulté plus élevés. Là c'était un peu limite là. Donc c'est sympa, ça permet d'évoluer tranquillement au fur et à mesure. Principe de progression, c'est pas mal. Ah, ils sont pas loin derrière, hein. Franchement. Une erreur, ils repassent devant. Bon, je suis pas bon dans mes zones de freinage. Mes points de freinage sont vraiment pas bons. Oh le mur, oui. Ouf, là c'est pareil. C'est pas assez chaud là. J'aurais pas voulu mettre la main entre moi et le mur. Entre la voiture et le mur du moins. Sur ce dernier tour, tu as réalisé un chrono de 2, 15, 8. Franchement, ce circuit en ville, c'est sympa. Hein. Au milieu de Paris. Bon, ça, je pense que c'est plus du circuit fictif qu'autre chose. Je suis pas sûr qu'un jour il y ait eu un circuit dans Paris. Vu le bordel que c'est déjà à l'heure actuelle dans Paris, alors si on commence à y mettre un circuit, ne serait-ce que pendant un week-end, alors là c'est la troisième guerre mondiale qui commence, ça y est. Et franchement, ça pourrait le faire. Un petit circuit en plein milieu de la capitale. Ça serait... ouais, ça serait un truc sympa. Eh, il me lâche pas. Hein. Franchement, là, moi, j'ai baissé un peu mon rythme. Et franchement, les mecs, ils me lâchent pas. Hein. Sont toujours derrière. Moindre erreur de ma part, c'est fini. Moindre erreur, ça y est, c'est là. Enfin. Ouh, là c'était chaud patate. Oui. C'est sûr, avant la fin, il va se passer quelque chose. Mais pas quelque chose de bien. Ce dernier chrono était de 2, 16, 5. Allez, plus que 3 tours. Oh, eh, franchement, elle me donne chaud quand même, cette auto. Hein. Enfin, je sais pas si c'est l'auto ou le circuit qui me donne le plus chaud là. Parce que franchement, le circuit. On a vraiment pas le droit à l'erreur. Après l'auto, ça va, elle est pas mal permissive. Elle se conduit vraiment bien.
Aïe 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 aïe, si c'est bon ça passe. J'ai peur d'arriver trop vite. Ouais. Là franchement cet enchaînement là, il est vraiment cool. Ah oh, c'est gentil. Oui. L'arrière a commencé à glisser un peu là, c'était chaud. Franchement, je pense qu'avec toutes les améliorations, ça doit être vraiment fun à conduire. Ouais, ça passe. Waouh, là je sais même pas comment c'est passé. Oh là aussi, oh. Oh là 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 là. Ah celui-là j'ai toujours un peu de mal. Surtout sur la sortie. Ah là je commence à faire des erreurs. Ça se voit, il me rattrape. En fait ça va. On tient le bon bout, on tient le bon bout. Ouah. Ouh là. Ça a pas dû passer loin du mur. Assez chaud. Ah déjà là c'est mieux. Là beaucoup moins haut. Oh. Ah, merci de préciser. J'ai encore deux tours à me coltiner les autres zigotos derrière. Bon, ça va, on a repris un peu l'avance. Là, on est bien, là, on est bien, là, on est bien. Ça devrait le faire. Ouais. Franchement les gars, avec tous les risques que je prends, ça mérite bien un petit pouce bleu. Franchement, je pense que ça mérite un petit pouce bleu. Donc allez-y, lâchez-vous, parce que franchement, moi j'en chie là. Je peux vous garantir que là... Là, franchement, je galère. Là, je donne tout ce que je peux. Ouais. Et franchement, c'est déjà un miracle que je me sois pas explosé dans un mur depuis le début. Attendez, cette souvireuse un peu à des moments. Aïe 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 aïe. Allez. C'est pas la partie la plus compliquée là. Enfin, si on remarque là, là. Petite enfilade là. Le gros freinage. Oui. Je pense que les spectateurs là, ils avaient juste à tendre le bras, ils auraient touché mon rétro. Il devait pas rester grand chose. Hein. Wouah. Oh là là, c'est quoi cet appel contre appel foireux là? Celui-là il était vraiment foireux. Garde l'intérieur, oui, ouais, nickel.
Allez, dernier tour. Là, on leur a mis pas mal d'avance. On peut le voir aussi sur le semblant de mini-carte en bas à gauche. Enfin, Wally. On n'a pas... Oui, on n'a pas un demi-tour d'avance. Franchement... On pourra pas dire qu'on a gagné au la main. Hein. Ça, c'est vraiment un passage foireux. Celui-là, on le retiendra pas. Hein. Putain, ils reviennent. Hein. Franchement, ils sont chauds, ils sont déter. Hein. Ah, un peu large. Ouh. Petit coup de frein qui nous a sauvé la vie. On a repris un peu d'avance. Allez, faut pas se foirer là. Allez, normalement ça devrait le faire. Youhouhouhou. Allez. Ouf. Enfin. Franchement, c'était chaud là. Ils m'ont donné chaud les types. Hein. Bon ben voilà, on a fini premier. Impeccable tout ça. Voilà, un petit bonus qui va bien. Ouais, les améliorations de véhicule. Donc ça c'est cool. Donc ben écoutez les amis, on va en rester là pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. La Volvo que je vous disais, c'est la Volvo 850 Estate Touring Car. On la voit en 13ème position, celle-là que je vous disais. Ouais, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire de celle-ci. Et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me fera plaisir et ça me permettra d'évoluer dans le référencement. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche des notifications pour ne pas rater les futures vidéos de la chaîne. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao les amis.